tous, Venus Lilionicos Kato sur une nouvelle recette de gâteau à faire. Bien sûr, recette de gâteau simple au chocolat. Chocolat simple, voilà. Donc bienvenue, vous allez bien, j'ai passé une bonne journée. Bon, c'est samedi, voilà. Donc Kato va nous faire aujourd'hui un gâteau au chocolat, tout simplement. Allons-y pour cette recette de gâteau originale. Allons-y pour la recette de gâteau. A few moments later. 80 g de farine. Voilà. Ensuite. 150 de grammes. Farine. Non, de sucre. De sucre, excusez-moi, mais. Grave. C'est le. Chez, voilà. Alors là, c'est. 3 œufs. 3 œufs, voilà. Entier. 3 œufs. Ensuite, on a. Le... Une sachet de levure. Chimique. Après, du beurre, 120 grammes de beurre. Mmh. C'est un peu de mal. C'est pas grave. C'est la première et fois. Deux, que... Et 200 grammes de chocolat. Voilà. Et il manque rien. Donc, allons-y pour la recette de gâteau originale. Et à la fin, quand on aura fini le gâteau. Oui, pour la fin. Voilà, pour la fin. Normalement, c'est pour les glaces, mais bon. C'est pour mettre par-dessus le gâteau pour donner du goût. On a mis du soldeig caramel tout fait, ouais, pour mettre au-dessus directement. Par exemple, tu veux couper un morceau de gâteau, si quelqu'un en vole, il met sur son gâteau. On peut faire pour tout ça, hein. On peut faire carrément pour tout ce qui est, on peut dire, même glace si vous voulez. Ouais, on peut faire tout avec, tout simplement. Voilà. Bon, tout de suite les amis, abonnez pour la recette de gâteau original, gâteau chocolat simple. Allons-y pour la recette. Commencez. 80 g de farine. Voilà. Ensuite. 150 de farine. Non, de sucre. De sucre, excusez-moi, mais. Grave. C'est le chez. Voilà. Alors là, c'est. 3 œufs. 3 œufs, voilà. Entier. 3 œufs. Ensuite, on a. Une sachet de levure. Chimique. Après, du on a... beurre, 120 grammes de beurre. C'est un peu de mal. C'est pas grave. C'est la première et fois. Deux, que... Et 200 grammes de chocolat. Voilà. Et il manque rien. Donc allons-y pour la recette de gâteau original. Et à la fin, quand on aura fini le gâteau. Pour la fin. Voilà, pour la fin. Normalement, c'est pour les glaces, c'est pour mettre par-dessus le gâteau pour donner du goût. On a mis du soldeig caramel tout fait, ouais, pour mettre au-dessus directement. Par exemple, tu veux couper un morceau de gâteau, si quelqu'un en vole, il met sur son gâteau. On peut faire pour tout ça, hein. On peut faire carrément pour tout ce qui est, on peut dire, même glace si vous voulez. Ouais, on peut faire tout avec, tout simplement. Bon, tout de suite les amis, abonnez pour la recette des gâteaux original, gâteau au chocolat. Allons-y pour la recette. A few moments later. Pour commencer la recette, mélangez les œufs. Voilà. C'est pas grave, vous ne me voyez pas. On ne voit pas, mais voilà, on a mis les œufs, 3 œufs dedans, entiers. Ensuite, on va mettre le sucre. Voilà, vous ne voyez pas, mais bon. Voilà. Et ensuite, on mélange tout. On mélange tout. Sucre, c'est ici, avec bien sûr les œufs. Donc ensuite, ajoutez la farine. Et ensuite, la levure chimique. Tout. Levure entière. Voilà. Et mélanger. Pas qu'il y a de grumeaux, hein, que ce soit mangeable aussi. Que la pâte soit vraiment opaque et homogène. Donc ensuite, on va passer avec le chocolat et le beurre. Donc là, je suis d'avis pour la suite de la vidéo. Donc ensuite, quand la pâte est faite, maintenant on va faire le chocolat et le beurre dans le four micro-ondes. Soit au four micro-ondes, soit au bain-marie. Là, on va faire mais au four micro-ondes, il faut le surveiller, sinon il devient dur. Exactement. Donc allons-y pour le chocolat et le beurre. A few moments later.
Donc voilà, Cato fait cuire le chocolat avec le beurre ensemble pour qu'elle suive, enfin qu'elle saurait quand même la cuisson. Oui, la cuisson directement. Donc allons-y. Donc Cato va remélanger un peu de chocolat. On va commencer à faire, mais je crois encore à en faire. Est-ce que c'est bon? Bien sûr. Que le chocolat soit comme opaque et puis souffre entre deux. Voilà. Que ça soit bon. Hein, soit t'as vraiment peur, bon. Quoi? Bah, disons que si le chocolat est pas fondu, ça va pas le faire. Voilà. Et là, faut y aller. Mais doucement. Non, j'en verse tout. Alors, voilà. Faut comment que l'œuf, enfin, les blancs, l'œuf plus chocolat soit en harmonie. Non, je vais vous ai mis abonné pour suivre la vidéo. Donc voilà, Cato a fini de mélanger le beurre avec le chocolat reste. Voilà, et là on va mélanger le tout dedans. Allez, hop. Allez, voilà, comme ceci. Hop. Allez, voilà. Et là, tout dedans. Et là, tout dedans. Hop. Recette simple et rapide, voilà, que tout simple. Voilà. Hop. Comme ceci. Du coup là, il va manger juste la recette comme ça, la prochaine fois. Oui, oui, oui. Exactement. Exactement. Au four. Oui. Moi, c'est au micro. Non. Ça va pas, moi, c'est la chaleur. Ouais. Voilà, bon, voilà. Hop, c'est fait. Et ensuite, elle va mélanger. Oh, bon, c'est pas grave. Hein. Elle va mélanger avec le fouet. Allons-y. Voilà. Bien au fond. Voilà. Tout simplement. Et après, Nicolas, il va le mettre dans la moule. Ouais, non, avant de mettre le moule, mais oui, on va mettre. Là, on va beurre après le moule, du beurre. Et ensuite, on mettra le gâteau dans le four et faire directement avec le moule. On verra ça après. Donc, elle mélange tout, semi-opaque. Les amis abonnés pour la suite de cette vidéo de Cato simple de Cato. Donc voilà. Ah, il est bon là. Ah, il est bon. Alors. Donc ensuite, oui ça ira. Donc ensuite, on va beurrer le moule à manquer, comme ceci. Bien. A few moments later. Cato tient la. Vous voyez, faut faire cuire le four à 180 degrés. Et le mettre au thermostat, voyez, comme ça, en deux fois, pour que ça bien, cuire. Et là, on le fait préchauffer. Et voyez, il y a tout à ouvrir. Hop, et la grille directement préparée. Et ensuite, on va mettre la pâte du gâteau au chocolat simple dans le moule. Un de tes amis, pour la suite de la vidéo du gâteau. Donc, allons-y pour mettre le gâteau dans le moule. Hop, on y va. Oui. Ah, et pas facile, non. Tu vas y arriver. Pas facile avec un fouet. Faut que tu prennes une marise. Donc les amis, on va prendre une marise. Tu veux prendre une marise ou pas? Alors regarde-moi comme ça. Donc voilà. Bon, j'ai fait elle va pas. Donc voilà pour le gâteau bien homogène. Voilà, on étale tout. On étale tout avec la, tout la marise. Et voilà, maintenant on va mettre après dans le four. Les amis, pas cette vidéo. Donc, je mets le gâteau maintenant dans le four, comme ceci. Voilà, voilà. Vas-y, vas-y. Voilà, hop. C'est bon, c'est mis dedans. Bon. Voilà, c'est mis dedans. Maintenant, on va fermer le four. Voilà. Tout simplement. Nettoie jamais le four. Et ensuite. Là, on a mis, j'ai mis à 180. Maintenant, on va mettre au thermostat direct à 30 minutes. Donc, 30 minutes, qui fait hop, comme ceci. Voilà. 30 minutes, hop. Thank you.
Bah quoi, y'a pas le cachet à la poubelle? C'est marrant, quoi. Mais t'as 30 minutes. Donc, le problème, c'est que le samosa reste à, directement à... Ça, vous voyez, il reste à 23 minutes 58. Bon, c'est pas grave, on mettra, on va dire, 4 minutes de plus après. Donc, allons-y pour la cuisson. Voilà. Donc, à tout de suite, les amis, pour la suite. Et la fin de la vidéo. Bonne suite. 2 hours later. Donc, voilà. Donc, un bout de gâteau. Exactement. Et un peu cramé sur le côté. Ah bah ça, oui. Mais c'est pas grave, il est beau comme il. Voilà, les gâteaux, ok. Et c'est cramé en dessous. Oh bah ça va être bon quand même, oh, il crame en dessous. Donc allons-y. Pour... Oui, je rigole un peu, mais j'ai mal là. À déguster. Donc voilà, le gâteau est fait. Vous voyez, on a notre... voisine, 89 ans, voilà, hein, notre voisine, hein, comment allez-vous, hein, comment allez-vous? Bon, on va très bien. Ah, très bien, hein? Madame la marquise. Oui. Ça fait quoi, avoir 89 ans? Ben, ça fait quoi? Je fais mon boulot plutôt. Sinon, à part ça, 89 ans, ça vous fait quoi? Ben, je fais mon ménage et mes courses et tout, et puis je regarde la télé. C'est tout? Ben oui. Bah 80 ans, c'est sûr, j'ai pas beaucoup. C'est vrai. Eh ouais, elle s'appelle Fernande. On va enlever ça, voilà. Hop. Oui, mais Vera, on va les perdre. Allez, voilà. Et on va couper le gâteau. Donc, allez, le gâteau, à couper le gâteau. Allez. Hop. Il est bien fait, le gâteau, gâteau. Ah, un gâteau pour Fernande. Bah, si tu as quelque chose à faire dans la maison, je t'aiderai. Que des pommes. Voilà, hop. Ok. Ah oui, je peux te tenir. Hop. Tu vas pas t'en aller, je me demande. Non, je le tiens. Hop. Moi, papa, je prends pas une grande part parce que je suis. Tu vas pas t'en aller au ciel, non? Hop. Et voilà. Ne coupe pas mes mains. Oui. Pour d'aller à l'hosto. Merci pour ça. Voilà. Hop. Bon, ça peut couper de travers. Hein. C'est rien, ça. Oui, oui. Voilà. Allez, attends, voilà. Arriver, hop. Voilà. Ensuite, deuxième. Avec la caméra, puis... Bah, facile. Ça c'est rien, c'est ta part à toi. Il est gâté, il est cassé. Il est cassé, t'as pas. Bon. Et après. Il n'y a pas une petite petite. C'est petite, ça va. Ah, Fernande, il faut tenir. Hein, un peu. Je me sens volé. Voilà. Hop. Non, mais sans blague. Hop, voilà. Et voilà. Hop, trois gâteaux, tranquille. On va goûter maintenant ce qu'on en pense de quatre. Tout le cadeau qu'elle a fait. Alors ma chérie, ton gâteau, ce qu'on pense? Ça va. C'est bon? Oui, il manque la crème anglaise. C'est le principal. C'est bon. Alors, à goûter le gâteau de gâteau. J'ai dit avec elle. Ouais, c'est une tuerie, j'adore. Génial, j'adore. C'est trop beau. Et ça, tu vas dire, j'achète. Génial, j'adore. Ah ouais. Oh, ah ouais, maintenant Fernande, la voisine. Goûtez, Fernande, votre gâteau. Oui, j'ai déjà goûté, c'est bon. Miam, miam. Miam, miam. Miam, alors la bonne banania. Ah, bon anniversaire, Fernande. Bon anniversaire, moi je vous embrasse. Moi je vous embrasse. Voilà. Bon anniversaire à vous. 89 ans, ça se fête. Voilà. 89 printemps. Et votre petit cadeau. Ils ouais. Verront la tête un petit peu, mais de au plus de vite fait. Voilà. Voilà, les amis. Vous êtes tout de suite à la fin de la vidéo de l'anniversaire de Fernand, notre voisine. Dans la maison, elle viendra. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Voilà. À tout de suite, les amis, pour la fin de la vidéo. Parce qu'elle aime bien m'aider à faire le ménage. Voilà le cadeau qu'elle a eu. Une fleur. Elle aime bien les fleurs artificielles. Oui. C'est voilà. Pas fin de vidéo. Ça se fane pas. Coucou, c'est Katou. Ça se fane pas. Mais oui, tu me tiens. Les amis, pour la fin de cette vidéo.
Donc voilà pour la vidéo du Postcato pour le gâteau de Fernand de 89 ans de ses printemps. Donc vous avez aimé, apprécié, adoré, abonnez pas de, de mec un pouce j'aime. Et surtout n'oubliez pas, pas de. Ça. Voilà, ça, voilà. Et surtout vous avez apprécié la recette du gâteau au chocolat et surtout les ingrédients, vous voyez ça. Bah voilà, simplement. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne Nikos Katou, voilà, sur YouTube. Et puis vous avez toutes les informations dans la description de la recette, du gâteau au chocolat simple et facile à faire. Donc je vous encore une fois l'équipe de Koué sur Énergie, il y a gâteau tout le Belgique. Et à vous les abonnés, voilà, vous avez les et aussi à Régis qu'on a plus de nouvelles. Exactement. Et on vous embrasse, le curier. Ben, c'est une vidéo à venir. Voilà, tout simplement. Bisous. Et puis, le cœur y est.